Et c'est l'élevage du Forez. L'élevage du Forez dans le Haut-Forez de Paul et Marie-Caroline. Juan Bonin, des habitués des concours, tellement bien habitués des concours, qui s'étaient imposés dans la première édition du Grand Show Anglo disputé à la place avec Clash Forez en 2014. Et Forez, c'est une super jeune en course. Et nous avons ici la sœur de Clash Forez. Clash Forez, c'était une grille de gris. Ici, c'était une American Post. Ah, on regrette beaucoup American Post. On a été très judicieusement acheté par Sylvie Le Gall et son associé enfin, dans l'Allier. Qui est un étalon tout à fait remarquable. Qui, d'ailleurs, après son achat, on a sorti de nombreux vainqueurs, notamment au niveau des groupes parisiens à 2 ans. Donc, la France, c'est la dernière. Elle est au trot. Donc, la dernière ou l'avant-dernière génération. Elle est proposée ici avec une dernière partie au rock. Et la sœur de Upland Forez, deuxième du Grand Prix de l'Anglo à Longchamp. Elle est dans les 13 de quelqu'un. Allez, c'est bon pour elle. Merci.